Encore une petite technique pour vous qui utilise une fleur. Là, j'ai une pivoine, là, mais bon. La technique vise à rassurer des gens qui ont perdu quelque chose dans leur intégrité physique. Donc, par exemple, une personne qui a vécu une mastectomie, une amputation, perdu un œil. C'est tragique, là, ça, là. Et donc, voici un petit truc qui pourrait vous être aidé, qui vous être utile si jamais vous avez à aider une personne ou dans votre entourage ou professionnellement qui a vécu ça. Alors, ici, j'ai une pivoine. Et là, je peux couper un morceau ici. Et demander à la personne si tu as encore une pivoine. Si j'enlève ça, si tu as encore une pivoine. Donc, peu importe ce qu'ils t'ont enlevé, tu vas toujours garder ton identité. Tu vas toujours rester la personne que tu es. Ça, même si on t'enlève bien des morceaux, comme par exemple, dans le cas de sclérose en plaques, tu sais, une maladie dégénérative. Je ne peux plus utiliser mes jambes. C'est pas dire ça qu'il y a une amputation, mais la personne est maintenant collée à sa chaise roulante ou même collée à son lit et a l'impression que je ne suis plus celle que j'étais, mais plus physiquement, mais ton essence. La pivoine ici, là, elle n'a pas... alors ça s'appelle encore une pivoine, ça, là. Mais tout le monde peut reconnaître que c'est une pivoine. Alors, la même chose avec la personne, on peut lui laisser un petit bouquet en rappel.